messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Guinée Forum. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la problématique que connaît la Guinée en matière de don de sang. Le problème de sang constitue l'une des causes de mortalité dans nos structures sanitaires, surtout chez les femmes et les enfants. Quels sont donc les défis liés à la disponibilité des produits sanguins dans nos structures sanitaires? Les conséquences d'une telle situation sur la santé de la population? Et quelles sont les pistes de solutions pour remédier à ce problème? Ce sont là, entre autres, questions que nous allons tenter d'aborder dans cette émission. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Yves Nyakuehaba. Il est le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Et Dr Jacques Théa, il est le président de l'Association des donneurs bénévoles de sang de Guinée. Et bonsoir, chers invités. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Avec moi pour l'animation de cette émission, comme d'habitude, Amadou Korkaba. Il est le président de l'Association des journalistes en santé. Bonsoir à toi également, Korka. Bonsoir, Fanta, et bonsoir à nos invités. Dans la deuxième rubrique de cette émission, nous allons vous proposer un reportage réalisé par notre équipe. Et dans la troisième et dernière rubrique, nous allons passer la parole au public pour pouvoir poser des questions à nos invités ou apporter des amendements au débat. Mais bien avant, je tiens à préciser que cette émission est réalisée dans le cadre du projet Participation des citoyens à la gouvernance dans le secteur de la santé, financé par l'USAID et mise en œuvre par FHI 360 en consortium avec Search for Common Ground. Une fois encore, bienvenue. Korka, je vais donc te passer la parole pour ouvrir le bal avec nos invités. Merci beaucoup, Fanta. Pour commencer, je vais faire face à Dr Haba. Docteur, nous sommes en train de parler de produits sanguins. Quand on parle de produits sanguins, on parle de quoi exactement? Merci, Korka. Merci, madame. Et je voudrais, d'entrée de jeu, remercier votre structure pour nous avoir donné l'occasion de parler de la problématique du don de sang, puisqu'il s'agit d'un problème fondamental de santé qui touche la majorité de la population guinéenne. Pour revenir donc à votre question, quand on parle de produits sanguins, il s'agit soit du sang total issu d'un donneur, ou il s'agit plutôt de fractions sanguines préparées soit à partir du sang total issu d'un donneur, ou alors sélectivement préparé à partir du donneur qui est venu se présenter au Centre national de transfusion sanguine. Parmi ces produits, parmi ces fractions, donc, vous avez le plasma frais, vous avez le plasma frais congelé et surtout les concentrés de globules rouges qui sont utilisés dans la majorité des cas chez nos patients. Et enfin, il y a d'autres produits comme les concentrés de plaquettes, mais également les immunoglobulines et les fractions sanguines destinées à corriger les problèmes de troubles de la coagulation. Ok. Docteur Haba, je le disais à l'entame de cette émission, le problème de sang se pose aujourd'hui dans nos structures sanitaires. Oui. Quels sont les mécanismes mis en place à votre niveau pour approvisionner nos structures sanitaires en produits sanguins? Il faut signaler que le problème de sang intéresse au plus haut niveau le ministère de la Santé. C'est pourquoi donc, pour ravitailler les structures de santé en produits sanguins, un service national de transfusion sanguine a été créé et avec des démembrements au niveau régional et au niveau, disons, hôpitaux. Okay. L'objectif, c'est de rapprocher les services de transfusion sanguine au plus près des populations, mais également au plus près des utilisateurs de produits sanguins que sont les structures de santé. En plus de cela, l'État a doté le Service national de transfusion sanguine d'une politique d'orientation en matière de transfusion sanguine. C'est donc cette politique nationale qui oriente tout ce qui se fait comme activité en matière de transfusion sanguine dans notre pays. Ok. Et au niveau de Conakry, est-ce que c'est seulement au niveau du Centre national de transfusion on fait le prélèvement ou il y a d'autres possibilités dans les autres structures de la place?
Au niveau de Conakry, vous avez des unités hospitalières en dehors du Centre national de transfusion sanguine. Il s'agit du CMC de Ratoma, où on a une unité hospitalière de transfusion sanguine, de l'hôpital national d'Onca, mais aussi l'hôpital national Ignace Dine. Dans toutes ces structures, nous avons des services déconcentrés qui collectent le sang, mais dont les produits sont amenés au Centre national de transfusion sanguine en vue du traitement et du retour des produits finis pour utilisation dans ces structures. Vous avez parlé de certaines structures hospitalières où il y a la possibilité d'avoir le sang, c'est-à-dire des unités de transfusion. Et pour celles-là qui n'ont pas ces unités de transfusion, comment sont-elles approvisionnées? Comme les structures de l'intérieur du pays. Toutes les structures de l'intérieur du pays, au niveau hôpital préfectoral, au niveau hôpitaux régionaux, toutes ces structures sont dotées d'unités hospitalières de transfusion sanguine. Et puisque, pour le moment, faute de moyens, les centres surtout d'infrastructures, les centres régionaux de transfusion sanguine ne sont pas fonctionnels, chaque hôpital fonctionne comme un centre de transfusion sanguine autonome. C'est-à-dire, dans chaque hôpital, actuellement, on fait de la collecte du sang, des prélèvements, on fait l'analyse du sang, et puis on distribue à l'échelle de l'hôpital ou, disons aussi, vers les cliniques quand il s'agit de grandes villes. Ok. Et docteur Abba, vu que le sang n'est pas un produit qu'on fabrique, comment faites-vous pour avoir du stock? C'est effectivement le plus gros problème du Centre national de transfusion sanguine. Le sang, c'est une partie de notre organisme. Il ne peut pas être vendu, il ne peut que faire l'objet d'un don. Ça, c'est un élément fondamental du code d'éthique de la Société internationale de transfusion sanguine dont nous sommes membres. Donc, en Guinée, nous avons deux mécanismes pour avoir du stock de sang. Le premier mécanisme, c'est partant de ce principe du don volontaire et non rémunéré de sang que la population devrait faire vis-à-vis des services de transfusion sanguine. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous établissons disons des conventions de collaboration avec des ONG comme l'Association nationale des donneurs de sang de Guinée, comme la Croix-Rouge guinéenne, comme d'autres ONG et surtout des entreprises aussi qui acceptent pour l'échelle de leur structure d'organiser des collectes de sang. Donc, avec ces partenaires, nous sensibilisons la population guinéenne pour, disons, recruter des donneurs de sang et donc collecter du sang auprès de ces individus-là. À côté de cela, puisque le Centre national de transfusion sanguine ne peut pas toujours aller vers les structures pour faire cette sensibilisation, nous formons aussi des recruteurs de donneurs de sang. C'est vers cette solution que de plus en plus nous partons. Nous formons donc des recruteurs de donneurs de sang qui sont issus des communautés et qui acquièrent des connaissances sur la transfusion sanguine, sur l'importance du don de sang et qui donc retournent vers les populations pour faire de la sensibilisation de façon continue. Et donc recruter des donneurs de sang pour les mettre en contact avec les structures de transfusion sanguine. Mais ces mécanismes ne suffisent pas. Ça ne suffit pas puisque malgré leur mise en œuvre, nous avons encore de la peine à couvrir les besoins en sang de notre population. C'est pourquoi donc, en accord avec les autorités du ministère de la Santé, nous avons été amenés à adopter un autre mécanisme alternatif qui consiste donc à demander à chaque citoyen qui présente une demande de sang de fournir deux donneurs. Ces deux donneurs donc
vont être contrôlés, vont, disons, subir les différentes étapes de sélection du donneur. Et si ces individus sont aptes à donner leur sang, donc ils vont donner leur sang pour que ce sang soit, disons, traité de la même façon que le sang qui est collecté sur les donneurs volontaires est remis dans le stock de sécurité. C'est ce stock de sécurité que nous avons qui ne nous permet pas de couvrir l'ensemble des besoins de la population et qu'il faut toujours chercher à améliorer. Donc ce sont là les deux mécanismes que nous avons actuellement pour, disons, couvrir un tant soit peu les besoins de la population en matière de produits sanguins. Ok, Korka, parlant des donneurs, justement. Justement, oui. Vous avez tout à l'heure parlé de traitement, de collecte et de traitement de, du sang. Qu'est-ce qui garantit que le sang que vous prélevez va subir, avoir une certaine sécurité jusqu'à la transfusion? D'accord. La transfusion, il faut savoir que c'est une chaîne. Ça part du recrutement du donneur jusqu'au suivi du patient transfusé après la transfusion. C'est une chaîne donc qui a plusieurs étapes. Et pour assurer donc la sécurité et du donneur de sang, mais aussi du receveur de sang à qui le produit est destiné, il y a un système d'assurance qualité qui est mis en place. Ce système d'assurance qualité vise à décrire l'ensemble des opérations qui se font le long de la chaîne transfusionnelle de façon à ce que chaque individu, que ce soit ici à Conakry, que ce soit à Yomou, puisse travailler de la même façon quel que soit l'endroit du territoire national. Donc ce système d'assurance qualité, s'il est maîtrisé, suivi, permet donc d'assurer la sécurité des donneurs et des receveurs à travers les produits de qualité que nous mettons à disposition. En plus de cela, il y a que nous ne prélevons pas le sang sur tous les individus qui se présentent à nous. Nous faisons une sélection des donneurs sur la base d'un certain nombre de critères essentiellement basé sur leur état de santé, mais aussi leur comportement vis-à-vis du risque que représente la transmission d'agents infectieux qui sont aussi transmissibles par ailleurs par les relations sexuelles. Donc sur la base de ces critères, nous procédons à la sélection des candidats au don de sang et nous ne retenons que les candidats qui présentent moins de risques. Mais ça ne suffit pas non plus. Les produits ainsi prélevés sur ces donneurs sélectionnés doivent aussi subir des tests. Ces tests visent à surtout dépister les infections qui sont transmissibles par la transfusion. C'est essentiellement quatre infections qui sont pour l'instant retenues dans notre agenda. Il s'agit, j'allais dire, du VIH, du virus du sida, du virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, mais aussi du tréponème, j'allais dire, qui est responsable de la syphilis. Et Docteur Théa, je le disais, vous êtes le président de l'association des donneurs bénévoles de sang. Et qu'est-ce qui a motivé la mise en place de votre association? Moi, je suis le troisième président de l'association. Mais avant moi, il y a eu l'initiative des anciens. Ils ont vu les difficultés énormes que le Centre national de transfusion traverse. Et ils sont des donneurs volontaires. Ils disent, est-ce qu'on ne peut pas se réunir, on va créer une association. Alors, ils ont mis en place une association nationale de donneurs bénévoles du Centre de Guinée, dont le premier responsable a été le directeur adjoint du Centre national de transfusion 5. Ok. Et quelles sont les activités que vous menez sur le terrain pour conscientiser ou amener les citoyens à vous accompagner dans vos efforts? Merci. Avec la collaboration du Centre national de transfusion sanguine, nous travaillons sur le terrain. Présentement, on est en train d'organiser un tournoi du don de sang, un tournoi dénommé don de sang pour sauver nos malades dans les hôpitaux. Alors, c'est le Centre national de transfusion sanguine qui nous accompagne. Et alors, nous avons 16 équipes qui se trouvent
justement au terrain de Yimbaya et nous avons commencé à collecter le sang avec ces équipes-là. Alors après ça aussi, vous savez, dès l'ouverture, nous travaillons avec les établissements privés, publics de la ville de Conakry. Pendant l'année scolaire, quand l'année scolaire est fermée, on ne peut plus toucher ces élèves-là, ni les étudiants. Alors il faut cibler d'autres. Alors nous sommes partis vers les footballeurs, les sociétés, pour qu'ils puissent nous aider à avoir un stock de sécurité en produits sanguins pour sauver nos mamans, nos sœurs, nos femmes qui sont dans le besoin en matière de produits sanguins. Okay. À Conakry, certainement, on voit vos activités, mais est-ce que vous êtes représenté à l'intérieur du pays? Est-ce que cette association a des antennes au niveau de l'intérieur? La question, elle est très bonne. Alors, l'ONG, nous sommes représentés à l'intérieur du pays. À Labé, l'ONG est représentée. À Cancan, l'ONG est représentée. À Labé, mais on ne couvre pas tout le pays. Non. D'accord. Ok. Donc, on va passer à Dr Haba. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez des difficultés pour avoir des donneurs. Maintenant, quelles sont d'autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés au-delà de cette histoire de donneurs? Oui. Il faut reconnaître que le Centre national de transfusion sanguine traverse des difficultés énormes. C'est un service qui n'a pas connu de projet structuré, financé depuis la fin du projet d'appui à la sécurité transfusionnelle qui avait été financé par l'Union européenne entre 2000 et 2003. Depuis donc la fin de ce projet, il n'y a pas eu de financement pérenne. L'infrastructure qui avait été mise en place pour le Centre national de transfusion sanguine sur ce projet est devenue exiguë puisque aucun magasin digne de ce nom n'avait été conçu. Les locaux sont insuffisants aujourd'hui, le bâtiment est vétuste. Donc on a des difficultés pour recevoir les donneurs qui viennent pour leur offrir donc un cadre idéal qui puisse leur permettre de faire idéalement leur don de sang. À l'intérieur du pays, les centres régionaux de transfusion sanguine n'ont aucune infrastructure. Ce sont des structures qui devraient jouer le même rôle que le Centre national de transfusion sanguine, mais à l'échelle régionale. C'est-à-dire qu'ils devraient collecter du sang, faire la promotion du don de sang, collecter le sang, traiter le sang et distribuer dans tous les hôpitaux de la région. Mais faute d'infrastructures et donc de personnel aussi, ces centres régionaux de transfusion sanguine ne sont pas fonctionnels. Ça fait que c'est chaque hôpital qui s'occupe de la gestion de ces problèmes de transfusion sanguine. Et croyez-moi, quand c'est comme ça, les difficultés, les erreurs, les risques d'erreur sont énormes et la qualité du produit n'est pas là, justement. Nous avons un service qui est déficitaire en termes de personnel, tant en quantité qu'en qualité. On n'a pas de budget consacré à la promotion du don de sang. Mais cette autre difficulté qui devrait être soulagée un peu par la participation des populations, c'est la mobilisation pour le don de sang. Puisque même si on n'est pas dans toutes les conditions pour être opérationnel à 100%, nous avons quand même à notre niveau des équipements de base qui nous permettent de travailler, de produire du sang pour la population. Mais lorsque cette population ne reconnaît pas l'importance du don de sang, la nécessité du don de sang comme élément pouvant sauver des vies, vous allez être d'accord avec moi que les difficultés vont encore s'accroître davantage. Ok. Chers téléspectateurs, avant de parler des pistes de solutions pour améliorer l'approvisionnement de nos structures sanitaires en produits sanguins, je vous invite à suivre à présent ce reportage réalisé par nos collègues Mama Adama Camara et Mariam Sedouba. Et on se retrouve juste après.
Le sang, ce tissu liquide qui circule dans notre corps grâce aux vaisseaux sanguins, joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, des nutriments, des anticorps et des hormones. En Guinée, le problème de sang se pose avec acuité dans nos structures sanitaires par manque de donneurs. Ce qui est malheureusement à la base de certains cas de décès enregistrés, notamment chez les femmes et les enfants. À la mesure où sur le plan même structurel, il y a une difficulté à trouver des donneurs bénévoles. Il faut prendre le temps pour les expliquer, pour qu'ils puissent accepter et leur faire comprendre que quand en donnant le sang, ça ne va rien gâter chez eux, ça ne va rien détruire en eux. Les personnes vivant avec certaines maladies chroniques notamment sont celles qui souffrent davantage de cette situation. C'est le cas des drépanocytaires qui sont permanemment en état d'anémie et qui ont régulièrement besoin de transfusion. Alors, donc, tenant compte de l'exposition au risque de transfusion, avec le Centre national de transfusion, nous avons un partenariat qui fait que les donneurs, les drépanocytaires, soit les parents surtout des drépanocytaires, soient exemptés de donner, de fournir des donneurs de la famille. Le Centre national de transfusion sanguine, qui a pour mission d'assurer l'approvisionnement des structures sanitaires en produits sanguins, peine aujourd'hui à couvrir les besoins en matière de sang. Si la population s'invitait au don de sang, on n'allait pas avoir de pénurie. Bon, imagine-toi. En cette période de congé, de vacances scolaires et universitaires, c'est la difficulté pour le CNTS. Normalement, le taux de couverture est de 10 dons pour 1000 habitants. Jusqu'en 2018, ce taux était de 5,2 dons pour 1000 habitants. Pour amener les citoyens à participer activement, le Centre national de transfusion sanguine a établi des règles. Ici, le principe exigé au demandeur est une poche de sang contre deux donneurs. Mais ce principe n'est toujours pas respecté à cause de certains facteurs qui sont souvent à la base du manque de sang. Toute la journée, on est dans ça ici. Les gens, ils se déplacent, ils viennent pour donner le sang. On prend deux personnes pour avoir une poche de sang. Pourquoi ? Parce que souvent, la deuxième est éliminée ou les deux sont éliminés par un de nos marqueurs que nous recherchons ici. Le sang qu'on va prélever chez eux ce jour-là, ce n'est pas la poche-là qui va partir. On a des poches prélevées, testées, qualifiées, qui sont dans nos banques de sang. Donc, c'est ces poches qu'on prend pour remplacer les poches qu'ils ont données ce jour-là. Donc, nous, on peut ne pas pouvoir remplacer la poche testée, qualifiée, qui est déjà partie, pour sauver la vie du malade. Et ils vont s'engager. Ils acceptent toujours, mais les 60% ne respectent pas l'engagement. La problématique du don de sang est une énorme préoccupation pour le Centre national de transfusion sanguine. En période d'hivernage, par exemple, la demande est largement supérieure à l'offre à cause de la recrudescence de maladies, comme le paludisme. Seulement 11% sont des donneurs volontaires, contre 88% de donneurs fournis. De rares donneurs se manifestent. Et pour la plupart des cas, ils viennent faire le don pour leurs proches. Je suis venue chercher du sang pour ma mère hospitalisée à l'hôpital Kambouaro. Sa sœur et sa nièce ont fait le don après les tests préalables du groupage. Après tout ça, ils m'ont donné la poche de sang que je vais envoyer tout à l'heure pour transfuser à ma mère. Je suis venu faire le don de sang pour ma sœur qui est malade. Ce n'est pas la première fois, j'en avais déjà donné pour mon frère. Mais je ne l'ai jamais fait volontairement. Prochainement, je viendrai pour le faire pour sauver des vies. En Guinée, le don de sang est un acte inhabituel pour beaucoup de citoyens. Cette jeune fille ne l'a fait qu'une seule fois, pour sauver la vie d'un enfant. Ma première fois de donner mon sang, c'était pour un gamin de 7 ans. J'étais à la maison lorsque j'étais connectée et dans un groupe dans lequel j'étais avec sa sœur, en fait. J'ai reçu le message là-bas où on demandait aux personnes de bonne volonté de faire des dons. Ça a été pour moi un honneur. Ce fut un plaisir et je continuerai à le faire.
C'est ce qu'on ressent quand on sauve une vie. Et cela n'est possible que par la mise en œuvre d'une chaîne de solidarité, dont le premier maillon est constitué par les donneurs de sang bénévoles. Toute personne en bonne santé reconnue apte après les premiers tests peut donner son sang 4 fois par an chez les femmes et 6 fois pour les hommes. Cela pourrait contribuer à sauver des milliers de vies. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Guinée Forum. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la problématique de l'approvisionnement de nos structures sanitaires en produits sanguins. Corca, on vient donc de suivre ce reportage. Justement, je pense qu'on va écouter la réaction de Dr Théa. Oui. Suite au passage de ce reportage. Oui. Quelle est votre réaction? Justement, ma réaction, nous, en tant que donneurs bénévoles, on voulait renverser la tendance parce que le don familial est plus élevé par rapport au don bénévole. Dans les conditions normales, c'est le don bénévole qui devait être le don le plus élevé. Mm-hmm. Alors, par jour, le Centre national de transfusion sanguine a besoin de 500 donneurs par jour pour couvrir le besoin. Mm-hmm. 500 donneurs par jour, alors qu'on n'enregistre que 2-3 donneurs bénévoles par jour. Okay. Alors, il faudrait que chacun de nous puisse fournir un effort en sensibilisant la population guinéenne en matière de don de sang. Je vais vous donner un exemple. Nous avons initié, un projet de don de sang dans les départements ministériels. Où, sur ce plateau, je remercie le ministre des Affaires sociales, dont les personnels se sont mobilisés fortement pour le don de sang. Ok. Docteur, cette réticence chez les citoyens à donner du sang, c'est dû à quoi, à votre avis? Justement, par méconnaissance du don de sang, parce qu'il y a certains qui disent que quand je donne le sang, je meurs. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Okay. Il y a un certain monsieur Gallo, mm-hmm. il est venu au Centre national de transfusion sanguine. Mm-hmm. Son enfant est malade. Mm-hmm. Il refuse de donner le sang pour son enfant, pour sauver son enfant. Alors, je lui ai dit, monsieur, l'enfant là, c'est pour qui? Il dit, c'est pour moi. Il dit, mais vous refusez de donner le sang pour sauver votre enfant? Il dit, non, qui lui ne donne pas le sang. Quelle est la raison qui a été évoquée? Quelle est la raison qu'il a évoquée? La raison qu'il a évoquée, il dit que lui, quand il donne le sang, il meurt. Il met ça, il a déjà cette notion en tête. Quand je donne le sang, je meurs. Alors que ce n'est pas ça. Alors, sur ça, la population n'est pas du tout informée en matière de don de sang. Alors, moi, je l'ai sensibilisé. Finalement, il a accepté à faire un don de sang pour sauver son enfant. Finalement, on a pu sauver l'enfant. Docteur, est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que souvent, quand quelqu'un donne son sang, mm-hmm. si une maladie est détectée, et mm-hmm. la personne peut être informée, comme le VIH, les gens ont peur parfois de se faire dépister. Est-ce que ça aussi, ça ne contribue pas? Bon, ça contribue, mais ça devrait plutôt avoir l'effet contraire. Mm-hmm. Parce que Le don de sang, c'est par excellence une occasion de contrôle de santé, okay. de bilan gratuit de santé. Mm-hmm. Et lorsque, au cours de votre don de sang, on dépiste un problème de santé, mm-hmm. on vous accompagne toujours dans la prise en charge de ce problème de santé-là. Okay. Donc, plutôt que d'avoir peur d'être dépisté ou de s'exposer à la découverte d'un problème que l'on voulait cacher, ça devrait plutôt être considéré comme un avantage lié au don de sang. Okay. Docteur, tout à l'heure, vous avez parlé de beaucoup de difficultés auxquelles fait face le Centre national de transfusion sanguine. Mais malgré tout, vous arrivez quand même à avoir un certain nombre de donneurs, que ce soit des donneurs familiaux que vous transformez parfois en donneurs bénévoles, ou d'ailleurs des donneurs bénévoles qui viennent d'eux-mêmes. Oui. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour encourager ces donneurs-là et qu'est-ce que vous faites aussi pour les fidéliser surtout? Bon, le plus important, c'est de savoir que le don de sang est un acte de solidarité. Mais celui-là qui se décide de donner volontairement son sang et de façon bénévole, a quand même des avantages que nous avons au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Il peut s'agir, lorsque vous donnez votre sang, vous allez bénéficier d'une légère collation, ce n'est pas le plus important parce que ce n'est pas destiné, ce repas qu'on va vous servir ne va pas changer le sang que vous avez donné.
mais c'est quand même vous mettre dans un petit confort le temps qu'on vous surveille après le don de sang pour se rassurer que vous supportez la suite du don de sang. En plus de ça, lorsque vous donnez trois fois de façon successive, à partir du troisième don, vous avez la possibilité d'avoir une carte nationale de donneur de sang. Mm-hmm. Sur cette carte, chaque fois que vous viendrez, on va noter vos dons. Mm-hmm. Et cette carte vous donne accès aux produits sanguins. Lorsque vous-même vous en avez besoin, ou c'est votre conjoint ou conjointe qui en a besoin, ou c'est plutôt vos parents ou vos enfants qui en ont besoin. Le Centre national de transfusion sanguine va vous fournir ça, ce sang-là, ce produit sanguin-là, gratuitement, sans obligation de fournir des donneurs, sans obligation de payer les frais de recouvrement, en reconnaissance à l'acte que vous avez l'habitude de poser pour d'autres patients. D'ailleurs, ces frais, s'il vous plaît, ces frais s'élèvent à combien? Ces frais de recouvrement. Ces frais de recouvrement s'élèvent à 20 000 francs. Pour l'intérieur du pays, pour la ville de Conakry, nous sommes encore à 13 500. Okay. Donc, à côté des avantages que procure cette carte, vous avez, à partir de 10 dons, la possibilité d'avoir un diplôme. Un diplôme signé de Monsieur le ministre de la Santé qui vous reconnaît comme un donneur volontaire, comme une personne qui participe à la protection de la santé de la population. À partir de 20-25 dons, vous avez la possibilité d'avoir aussi un autre diplôme, mais avec cette fois-ci une médaille d'argent. Et à partir de 50 dons, vous avez un troisième diplôme avec une médaille d'or. Donc voilà quelques avantages que nous avons au niveau du Centre national de transfusion sanguine, sans compter que lorsque ces gens ont des problèmes de santé, nous participons à leur prise en charge en les recommandant pour les consultations, mais également pour, les frais d'examen, mais aussi de médicaments des fois. Et docteur Théa, malgré toutes ces mesures, il y a quand même des donneurs qui se plaignent parfois. Oui. Et nous, on rencontre des gens qui se plaignent du comportement de certains agents de santé. Mm-hmm. Et comment vous faites face à ce genre de situation? Justement, nous sommes désolés pour ce genre de situation parce que j'ai signalé ça à monsieur le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Ça veut dire que vous rencontrez quand même ces cas-là? Oui, nous rencontrons ces cas. Oui. Déjà, c'est l'accueil. Quand un donneur bénévole vient, il vient faire un don de sang. Ou bien il a fait un don de sang, il a un résultat à prendre. Alors, il y a des personnels dans les conditions normales. Même si le résultat n'est pas prêt, mais la manière que vous recevez le donneur, franchement, ça le met dans la confiance. Mais quand un donneur vient, il est venu chercher ses résultats, personne ne s'intéresse à lui. Il est frustré. Ou bien s'il a un problème de don de sang, on ne l'accueille pas pour le servir à temps. Il est frustré. Alors, un donneur frustré peut démobiliser plusieurs donneurs dans le quartier. Alors, j'ai signalé ça à M. le directeur. Il a pris toutes les dispositions. Même en cas, j'ai donné mon contact à un donneur bénévole. Il a un problème. Il m'appelle. J'appelle le directeur. Ou je me déplace. Je viens voir le directeur. Sur place, on trouve une solution pour son problème. Je remercie infiniment le Centre national de transfusion sanguine pour la prise en charge de donneurs bénévoles en cas de maladie. Moi, je suis donneur bénévole. Une fois, je suis tombé malade. J'ai pu acheter mes médicaments, mais je suis donneur bénévole. Je suis venu le voir avec mon ordonnance. Mais il a acheté tous les produits. Il me l'a donné. Alors, voici un peu l'importance du don de sang. OK. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons à présent passer la parole au public pour pouvoir poser des questions à nos invités ou apporter des amendements au débat. Cher public. Bonjour tout le monde, moi c'est Hadia Toubari, journaliste à la télévision nationale. J'ai deux questions, ou trois même, à poser, notamment à Dr Abba. Il a justement parlé de recouvrement, mais aujourd'hui, on se rend compte que la poche de sang est à 13 500. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais à ce niveau, il y en a qui continuent encore à se plaindre comme quoi
ils achètent une poche de sang à peu près à 250 000 ou 300 000. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Deuxièmement, vous avez parlé aussi de décentralisation aujourd'hui du Centre national de transfusion sanguine. Vous avez parlé de cas de l'intérieur du pays. L'hôpital régional de Zérékouré, par exemple, a une unité de transfusion sanguine. À ce niveau, est-ce que ces poches de sang sont immédiatement traitées là-bas ou est-ce qu'ils sont ramenés totalement vers le Centre national de transfusion sanguine pour le traitement? Merci. Ok, moi je suis Boubacar Sila. Je suis le président de la plateforme des organisations de la société civile pour le soutien à la santé et la vaccination. D'abord, je félicite le docteur. La situation est plus grave que ce qu'il vient de présenter, et plus critique que ce qu'il vient de présenter. Quand on prend les 38 districts sanitaires aujourd'hui, on n'est pas en sécurité, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir des postes de sang et les conserver dans une préfecture qui n'a pas de courant et qui n'a même pas d'installation de sécurité. Donc, quant à l'implication de la société civile, on est très loin d'eux, mais dans les autres des composantes de santé, nous faisons beaucoup plus. Il va falloir quand même qu'on se retrouve en toute urgence pour travailler ensemble, pour relever ce défi. Il y a un défi qui est là. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il vient de nous dépeindre là, la situation est plus grave que ça. Okay. Donc nous, en tant que société civile, nous sommes prêts à venir auprès de cette association, discuter et voir qu'est-ce que nous pouvons faire réellement pour pallier à ce déficit qui continue à ternir l'image de notre santé. D'accord, merci beaucoup. Je suis Abdoul Sako, je suis le président du conseil régional des organisations de la société civile de Conakry et le coordonnateur général du réseau convergent des jeunes et leaders pour la paix et la démocratie. Mais je préfère parler ici ce soir en tant que vraiment quelqu'un qui a traversé le désert avec son enfant dans nos services de soins, notamment entre le Centre national de transfusion sanguine et l'hôpital d'Anka. Je me souviens pour la quatrième fois qu'on partait pour avoir du sang pour l'enfant. La quatrième fois, madame a pris l'engagement quand on a pu envoyer un donneur. Et figurez-vous, toutes les trois fois, on a envoyé deux personnes. La quatrième fois qu'on a envoyé une personne, on est revenu la cinquième fois, madame est venue avec une personne. D'ailleurs, c'était la sixième fois, d'ailleurs, maintenant qu'on est revenu. On a dit que tant que la personne qui est venue, elle est venue pour compléter l'engagement qu'elle a déjà pris. Mais pas pour le nouveau cas. Je me dis, pour des malades qui viennent à plusieurs reprises, et je peux envoyer les témoignages aussi même avec tout ce qui se trouve être noté dans le petit cahier qui circulait entre Donka et là-bas. Moi, je me dis, est-ce que quand il y a des patients qui font une fois, deux fois, trois fois. Je ne pense pas à moi, parce que peut-être moi j'ai la possibilité de mobiliser par mes canaux d'autres personnes pour pouvoir avoir plus de personnes. Mais lorsque vous avez des patients qui viennent de l'intérieur peut-être, qui ne connaissent personne, est-ce qu'à une dimension donnée, les précautions sont prises pour qu'ils soient à l'abri d'être obligés à ramener à chaque fois des gens pour qu'ils puissent avoir des postes de sang. Merci. Okay, merci. Bonsoir tout le monde, c'est Diallo Diayatou. Je suis membre de l'Association des journalistes en santé de Guinée. Mes questions, je veux savoir, parce que le docteur a rappelé tout à l'heure la mesure qui a été prise suite à la rupture du sang en 2011. Ils ont adopté une mesure qui consiste désormais à envoyer deux donneurs pour celui ou un patient qui a besoin d'une poche de sang. Je veux savoir, est-ce que vous ne pensez pas, docteur, après tout ce que vous avez écouté là tout à l'heure, et après tout ce que vous constatez sur le terrain, que cette mesure ne consiste pas, en fait, la lenteur, je veux dire, de la mesure ne favorise pas, si ça ne met pas la vie des patients en danger, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir, améliorer pour ne pas
qu'elle favorise non seulement la surfacturation de la poche de sang, chose qui est réelle, mais aussi qu'elle mette la vie des patients en danger. Okay. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la même surfacturation de la poche de sang qui fait que les citoyens sont réticents pour certains et pour d'autres, c'est carrément un refus parce qu'ils comprennent un peu la nécessité du don de sang, mais c'est un refus de donner le sang. Troisième et dernière question, c'est par rapport aux médailles qu'il a annoncées tout à l'heure. Moi, je ne le savais pas, malheureusement. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des médailles d'or en Guinée ou bien des médailles d'argent par rapport aux dons de sang? Okay. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis Diallo Mamadou Sellou Diomfo, étudiant en médecine. Donc, j'aimerais savoir, concernant l'association des donneurs bénévoles de sang, Dr Théa, est-ce que votre association a les moyens vraiment pour atteindre ses objectifs, sans compter sur les apports du CNTS? Voilà, c'est ma question. Merci. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon pour les questions? Je pense okay. que... Donc, on va donner la chance à nos invités de répondre à ces questions. Oui. Je remercie tous ceux qui sont... tous ceux qui ont intervenu pour soit faire un commentaire ou pour poser des questions. En ce qui concerne les questions, je commencerai par celle de Adiatou. Elle a parlé de surtarification. Ce que je voudrais vous faire savoir, c'est que nous sommes dans une situation où la loi de l'offre et de la demande se font sentir. D'un côté, nous avons des difficultés pour trouver des donneurs et rendre disponible le sang. C'est ça notre mission. Nous devions avoir des donneurs volontaires et collecter suffisamment de sang pour que quelqu'un qui vient avec une demande ne puisse payer que les 13 500 réclamés, recommandés par l'autorité. Mais il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs, il n'y a pas beaucoup de volontaires, donc nous sommes incapables de rendre disponible toute la quantité de sang nécessaire pour couvrir tous les besoins. Ce qui nous a amené donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à solliciter une contribution des familles. Mais dans cette contribution des familles, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas la volonté de, disons, fournir les deux donneurs comme recommandé. Et même un donneur, beaucoup de gens, Dr Jacques l'a fait savoir, beaucoup de gens ne veulent même pas fournir un donneur. Donc pour moi, la solution, ce n'est pas une répression, la solution c'est avoir suffisamment de sang pour ne plus demander aux familles qui sont déjà dans le détresse du fait de la maladie d'un des leurs, qui sont dans des difficultés, pour ne plus qu'on leur demande en plus de fournir des donneurs. Tant qu'on n'arrivera pas à cela, on ne résoudra jamais le problème de trafic de sang en Guinée. Deuxième question de Adiatou, c'est est-ce qu'une poche prélevée à Zérékoré est amenée à Conakry pour être traitée? Non. J'avais dit dans le développement tout à l'heure que les unités hospitalières de transfusion sanguine fonctionnent comme des centres indépendants de transfusion sanguine. Ça veut dire qu'à Zérékoré, on est capable de collecter le sang, de l'analyser et donc de le distribuer. À la différence de ce qui se passe à Conakry, c'est plutôt le sang total qu'on va distribuer dans ces structures de l'intérieur du pays. Donc, ils reçoivent des formations aussi, ils reçoivent des documents pour la conduite des activités. Monsieur de la plateforme des organisations de la société civile, merci pour le commentaire et surtout pour l'engagement que vous avez pris pour nous apporter votre aide. Quant à Monsieur Sako, Monsieur Sako, j'avoue que
vous avez traversé des difficultés, mais ces difficultés ne sont nullement votre seul apanage. Il y a beaucoup de gens qui prennent plus de 10 poches, plus de 20 poches, mais ils sont dans l'obligation de fournir des donneurs à, en dehors de la mesure que nous avons prise à partir de 2016 de dispenser les gens qui sont qui prennent le sang à répétition de la fourniture des donneurs. Donc maintenant ça change puisque lorsque vous n'avez pas de donneur, il y a une question à laquelle je réponds tout de suite, lorsque vous n'avez pas de donneur et que votre cas soit urgent, la mesure c'est que vous prenez un engagement pour dire que vous allez amener les donneurs. Parce que l'important pour nous, c'est de sauver la vie du patient. Okay. C'est ce que nous pouvons faire pour l'instant. Les gens qui viennent de l'intérieur, c'est votre inquiétude, les gens qui viennent de l'intérieur, ils n'ont pas de donneurs, ils n'ont pas de parents ici. Donc ce que nous pouvons, c'est dans la mesure du possible, leur trouver du sang. Puisqu'il y a des catégories de patients, même si vous passez une semaine, ils ne vont jamais trouver de donneur. Est-ce que vous allez les laisser mourir? Non. Ils n'ont ni donneur, ils n'ont même pas d'argent pour payer le recouvrement, à plus forte raison, faire au même titre que les autres le système de trafic de sang. Donc, okay. À ces gens-là, il faut servir le sang. L'autre préoccupation, un donneur dépisté positif au moment du don de sang, on se réserve de donner un résultat. Puisque, comme son nom le dit, c'est un dépistage. Ce n'est pas un diagnostic. Donc, un, pour faire la déclaration d'un résultat positif sur dépistage d'une infection à un donneur, il y a des préalables. Les préalables, c'est lui dire d'abord, ah, nous allons faire des tests, mais lorsque nous allons trouver un test positif, est-ce que vous êtes prêt à recevoir le résultat? Puisque ces préalables ne sont pas, n'entrent pas en ligne de compte lorsque les gens viennent en urgence, et deuxièmement, les tests que ces gens font, c'est en urgence. Donc ça leur donne une orientation, mais ça ne leur donne pas la latitude donc de donner un résultat. Mais votre inquiétude est actuellement corrigée, puisque actuellement, tous ceux qui, au moment de la garde ou de la journée, viennent pour donner, lorsqu'ils sont dépistés positifs, rendez-vous leur est donné le lendemain, ils reviennent pour voir le responsable des analyses biologiques et leurs examens sont repris pour voir de quoi il s'agit. Et lorsque le cas est confirmé, les mesures de référence sont là pour les orienter. Non-application des recommandations. Vous savez, entre recommandations et mise en pratique des recommandations, il y a toujours un écart, il y a toujours des problèmes. Puisque pour mettre en œuvre des recommandations, il faut remplir toutes les conditions qui permettent la mise en œuvre de ces recommandations-là. Deux donneurs, est-ce que ça ne met pas la vie des patients en danger? Deux donneurs, ça met la vie des patients en danger lorsque il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Parce que lorsque vous n'avez pas les donneurs, je l'ai dit, on vous dit de prendre un engagement pour que vous puissiez ramener la poche rapidement. Okay. Donc, je crois avoir fait le tour des questions. Il y a une question pour M. Théa. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Nous n'avons pas les moyens pour notre politique parce que l'association n'est pas subventionnée par l'État ni rien. C'est grâce au Centre national de transfusion sanguine que nous puissions payer notre cotisation auprès de la Fédération internationale de l'organisation de donneurs de sang, FIOD. Alors, même pour participer à des séminaires, franchement, je vous avoue que nous avons de sérieux problèmes. Si ce n'est pas indiscret, cette cotisation, elle s'élève à combien? À 100 euros. 100 euros. Par an. Il y a une dame qui a
poser une question concernant les médailles. Ok, les médailles, oui. Les médailles. Oui, ta question a été évoquée. Justement, ouais. Voilà. Je vous avoue que c'était notre souhait, je vais dire en un mot, notre souhait que le président de la République puisse décorer les maires d'honneur en République de Guinée. Je vous donne un exemple. En Côte d'Ivoire, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décoré les meilleurs d'honneur dans son palais. Alors, par jour, le Centre national de transfusion sanguine ivoirienne reçoit 500 donneurs. Ils ont des donneurs réguliers dans leur centre. Ok. On est donc pris par le temps. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de votre émission Guinée Forum. Le sujet portait sur comment améliorer l'approvisionnement de nos structures sanitaires en produits sanguins. Et nous avons reçu sur ce plateau Dr Yves Nyakouihaba. Il est le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Et aussi Dr Jacques Théa. Il est le président de l'Association des donneurs bénévoles de sang de Guinée. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi également, Korka, de m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission. Grand merci au peuple américain à travers l'USAID qui a financé donc la réalisation de cette émission. Merci également à vous, chers publics. On n'oublie pas nos partenaires de la RTG qui nous accompagnent techniquement. Je précise que cette émission est réalisée dans le cadre du projet Participation des citoyens à la gouvernance dans le secteur de la santé, un projet donc financé par l'USAID et mis en œuvre par FHI 360 en consortium avec Search for Common Ground. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.